Le verdict est tombé pour Jean-Pierre Bemba, 18 ans de prison. C'est la peine la plus lourde jamais imposée par la Cour pénale internationale. Ancien vice-président de la République démocratique du Congo, il a été condamné pour une campagne de meurtre et de viol commis par sa milice dans la République centrafricaine voisine entre 2002 et 2003. La juge a estimé qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour éviter ses crimes et qu'il avait ainsi délibérément pour objectif d'encourager ces attaques qualifiées de particulièrement cruelles contre des victimes particulièrement vulnérables. C'est la première peine à sanctionner ainsi la responsabilité d'un commandant militaire. Ce riche homme d'affaires devenu chef de guerre est emprisonné depuis 8 ans à La Haye. Sa milice, le mouvement de libération congolais, est intervenu en Centrafrique pour soutenir le président Patassé face à une tentative de coup d'État menée par le général Bozizé.